ওনেযারািেচোরারেদোপান্াান্য়াানে্াড্ানে ক্ানাানান্য়ািনালে একানানান্ানান. Toutes et à tous, euh, bienvenue sur Côté Court, l'émission de l'option cinéma audiovisuel du lycée Léonard Vinci à Monistrol-sur-Loire. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de la réalisatrice Ingrid Chikaoui euh, qui a réalisé trois grains de gros sel euh, et aussi de l'actrice principale de, de ce court métrage Manu Tout. Donc pour, pour commencer, euh, nous allons voir un extrait d'une minute de ce court métrage. udah mama udah mami pun udah sudah mesti kamu boleh udah mami udah muka aku boleh mepak kasir kulit mata udah mami aja udah mikirin angkang kaki. nak aku mau Donc euh, dans ces premières secondes de film, nous avons vu euh, une enfant jouer avec son doudou, puis se lever pour aller voir sa maman. Euh, tout simplement, pourquoi avez-vous choisi cette scène pour commencer et introduire ce film euh, Parce que c'est un film qui raconte une journée. Et du coup, ça commence le matin. Euh... Euh, J'avais envie qu'elle qu qu partage un moment de, de tendresse avec sa maman le matin, avant, euh, avant que la mère disparaisse. Euh, voilà. Merci. Et c'est quelque chose qui est très... Euh, euh, fréquent en fait de, de se retrouver avec un enfant qui nous escalade euh, la nuit enfin le, le, le matin <laughs> quand on a des enfants et voilà j'avais envie de montrer ce, ce moment là qui est à la fois euh, très tendre et en même temps c'est déjà un envahissement de l'espace vital de la mère euh, pour euh, par cet enfant voilà et ça donc ça annonce quelque chose aussi de, de, de la dynamique dans cette famille et des problématiques qui peuvent être dans, le, dans la tête de cette maman même si on ne le sait pas du tout au début, mais euh, mais euh, si on le regarde à rebours, on, je pense qu'on peut on peut comprendre ça. Euh, dans votre film aussi, euh, on a vu qu'il y avait euh, différents thèmes abordés, notamment euh, le récit, la mort et aussi euh, la maternité au travers d'une d'une mère qui est plutôt euh, qui semble être perdue et, euh, et un peu un peu folle. Euh, J'ai une première question à, à vous poser. Euh, la première question, c'est qu'en fait euh, vous en fait, vous mettez, euh, vous mettez euh, en avant euh, à la fois donc, euh, une mère aimante de ses enfants et, euh, et plutôt tendre, et à la fois, euh, comme, je, comme je viens de vous le dire, une mère euh, plutôt dérangée et plutôt folle. Et je voulais savoir comment vous avez, euh, comment vous avez en fait, euh, réussi à, à concilier les deux. En fait. euh, mais ça, c'était l'intention de départ c'était de montrer les sentiments ambivalents euh, familiaux. C'est-à-dire comment dans une famille, à la fois on s'adore et on se déteste, et à la fois, on, ouais, on, on a envie de, de se soutenir, on, on, on a besoin et on fait une équipe et on se soutient mutuellement. Quand il y en a un qui flanche, il y en a un autre qui prend le relais. Et en même temps, euh, on a parfois envie d'être seul. Et ça, euh, c'est quelque chose que, qui était euh, l'idée de départ en fait. C'était de montrer euh, ces sentiments-là à la fois entre les sœurs les deux petites filles, euh, et à la fois euh, avec euh, la maman. D'accord. Euh, nous constatons dans, dans ce film euh, des couleurs assez froides, notamment le, le vert et le bleu. Est-ce un, un parti pris euh, que vous avez choisi pour renforcer ce côté euh, anxiogène euh, du film euh, Non, pour moi, c'était pas euh, quelque chose de... C'est un parti pris, oui. Euh, ça venait du fait que quand on a trouvé cette maison, euh, elle, avait un, elle a un store-ban au-dessus de la, de, la, de la terrasse qui donne une teinte verte. Euh, le, le store est vert et donc il donne une teinte verte au visage à l'intérieur de la maison. Et ça, on a voulu le, le garder parce que ça donnait comme un espèce de, de sentiment d'être de, toujours euh, euh, sous la canopée, en fait, sous les arbres. Et quand elles sont dehors et qu'elles sont sous les arbres, c'est pareil. En fait. y a, du coup, il y a cette lumière verte qui, serait, qui se reflète sur les visages. Et en fait, on aurait pu la gommer, et on a décidé de pas la gommer justement parce que ça donnait une espèce de d'effet bulle en fait sur cette sur cette famille, sur cette comme comme une bulle. Ouais. Une, voilà. C'était pas du tout pour moi quelque chose d'anxiogène d'avoir une teinte verte, mais pour moi c'était assez assez beau et, et j'avais envie de ouais. Après, a, en fait, on a travaillé chaque chaque séquence et chaque décor comme un euh, assez mono, de façon assez monochrome en fait. Dans la cuisine, il y avait ces, ces carreaux jaunes et donc du coup, on, on, a, on, a, on a amplifié ça avec les, le choix de, 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 des rideaux. Euh, on a mis aussi le, le jaune et le, et le vert dans la chambre avec le choix des, des textiles qu'on mettait sur le lit, etc. Donc on a quand même travaillé sur les, les harmonies de couleurs dans la maison euh, et à l'extérieur. Et en effet, le vert était assez présent parce que c'était un... Ouais, c'était la couleur du film un petit peu. <laughs> bon, maintenant, j'ai une question pour vous. Euh, Est-ce que c'était euh, plutôt difficile de jouer votre personnage, parce qu'il me semble qu'il n'est quand même pas simple à, à, à jouer et à réaliser. Et euh, je voulais savoir aussi si euh, c'était pas aussi trop compliqué de, de jouer avec euh, des enfants. Euh, <coughs> chaque chaque personnage euh, euh, a son défi et celui-ci euh, faisait, me faisait un peu peur. Euh, parce qu'il est sur un fil de rasoir euh, qui est pas facile à, à saisir. Mais là où pour moi j'ai eu beaucoup de chance, c'est de le, la manière de travailler avec Ingrid, euh, qui, a été, euh, qui a été incroyable, dans le sens où je lui ai fait confiance pour elle réussir au montage, à doser justement euh, cette, cette folie de personnage. Donc on a travaillé de, de la manière suivante, c'est-à-dire que tu fais plusieurs prises quand tu tournes un film. Première prise, on partait, euh, on partait sur quelque chose d'assez, d'assez neutre, et après on, on partait en, euh, graduellement dans les émotions, de plus en plus fort, de plus en plus fort. Et c'est elle qui a pu faire son choix euh, à l'issue du, fin, à l'issue du tournage pendant le, pendant le montage, de euh, bah, comment, euh, comment construire euh, euh, ce personnage avec son fil de rasoir, etc. Après, pour les enfants. Euh, c'est une, une catégorie de créatures euh, bon bah il faut il faut s'y adapter quoi euh, <laughs> ouais, ouais, on peut dire qu'on euh, a quand même construit tout le, tout le dispositif de tournage autour des enfants et que euh, et que voilà elle euh, du coup c'était euh, oui c'était complexe mais c'était un film qui était centré sur les enfants donc enfin c'était dès le départ tout a été pensé pour, autour d'elle en fait euh, pour le choix de de, de l'incarnation de la mère. Avez-vous eu euh, une idée spécifique de l'actrice qui pourrait incarner ce rôle ou, ou pas euh, ouais j'ai écrit pour manufler tout. Ah, exprès ouais. D'accord. Dès le départ, je sais que c'était pour elle. Parce que j'avais besoin, justement, c est, c est, on, on est très amis, on se connaît depuis longtemps, on est entré à l'école de cinéma en même temps. Elle est réalisatrice aussi. Et c'est aussi elle qui a fait les illustrations du toutes les illustrations qu'on voit dans le film. Et, euh, et du coup, euh, moi, j'avais besoin, c'est une histoire qui est très intime aussi pour moi, j'avais besoin de quelqu'un en qui, justement, je pouvais avoir euh, entière confiance sur, euh, sur la façon dont, dont, dont on allait pouvoir euh, travailler, se comprendre. Euh, et je savais qu'elle donnerait tout et que je lui donnerais tout. Et euh, voilà, il n'y avait, avait pas de doute là-dessus. Merci. Euh D'autre part, on pense avoir, euh, on pense avoir perçu euh, plusieurs euh, passages marquants dans votre, euh, votre court-métrage. Euh, le premier, c'est euh, quand euh, la grande sœur euh, annonce la, à la petite qu'elle euh, qu va, euh, qu va sans doute mourir, euh, en quelque sorte que son temps est compté. Euh, donc là, on voit qu'il y, y a clairement la mort dans le récit. Et, euh, et l'autre passage, c'est euh, quand, euh, quand la mère, en fait, euh, pointe avec, euh, avec son arc euh, sa fille. En fait, euh, comment vous avez... Euh, concrètement, comment vous avez réussi à, à créer cet effet de, de mort imminente tout au long du film euh, bah C'est de l'écriture. C'était l'idée de, de, de ces petites filles qui jouent avec l'idée de la mort jusqu'à ce que la mort arrive pour de vrai, en fait. Euh, et de les confronter à un moment à, la, à, la, à, la, à une vraie menace de mort. Euh, ça c'était un, un petit peu le point de départ du scénario en fait c'était qu'il que, que fallait qu'à un moment cette menace elle arrive d'une autre manière que celle qui est annoncée au début du film euh, et voilà ça parle des, des, des stratégies inconscientes en fait des enfants pour grandir dans un milieu instable et du coup euh, cette, ce, ce fait de faire un jeu de la mort euh, euh, permet euh, oui, permettait d'arriver à ce moment où la mère, elle pousse au paroxysme son, son, son besoin de... Enfin, son sentiment de persécution et son sentiment de... Ben voilà, je ne sais pas si je suis très claire. Ouais, Un grand merci à Ingrid et Manu d'avoir été avec nous pour présenter votre film « Trois grains de gros sel ». Quant à nous, on se retrouve sur la chaîne YouTube d'LDV Média pour une prochaine émission. De côté court, présenté par l'option cinéma de Léonard de Vinci à Monistrol. Merci.